Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une idée que j'ai faite pour moi personnellement, qui est un carnet pour noter tous mes thés. Alors, le premier que j'ai réalisé, c'est celui-ci. J'en ai réalisé évidemment d'autres pour vous et notamment pour le tuto. Mais l'origine, c'est celui-ci. Donc, c'est un carnet que j'ai créé pour noter tous mes thés, puisque je suis une grande consommatrice de thé. Et des thés, il y en a vraiment énormément. D'abord, il y a beaucoup, beaucoup de marques, même si évidemment j'ai quelques marques privilégiées. Mais voilà, je voulais me faire un recueil avec tous mes thés pour noter ce qu'il y a dedans, mes impressions concernant ce thé, le temps de l'infusion, etc., etc., etc. Donc, le voici. Donc, je l'ai fait évidemment à mon goût. J'avais un papier avec des théières et des petites tasses que je trouvais, que j'ai utilisées pour mon agenda. Et donc, j'avais des chutes. Je trouvais que ça s'appropriait bien, en tout cas pour ce petit carnet. Alors, j'ai utilisé des carnets comme celui-ci. Je pense que tout le monde en a acheté. Il y en avait à une époque, donc chez Action. Ce sont des petits carnets que j'ai évidemment refaits. Mais je trouvais que le format était pratique. Je voulais pas un grand cahier. Il faut que ça reste dans mon placard à thé. Donc je voulais vraiment pas quelque chose de très encombrant. Donc le format était vraiment parfait. Si vous le voulez, alors attendez, je vais vous donner les dimensions. En sachant bien sûr que le carnet est plus petit que ce que moi j'en ai fait ici. Est-ce que j'ai les dimensions là? Donc c'est un modèle A6, pour être très précis. Donc ça fait 10,5 par 15. Voilà, 10,5 par 14,7, hein, 14,8. Donc voilà, le format était vraiment, vraiment parfait. Hop, donc voici pour les carnets. Je l'ai recouvert donc d'une grande feuille cartonnée, plus grande que le carnet, puisque moi je voulais y mettre des onglets et que pour ce faire il me fallait donc quelque chose, une couverture qui soit plus grande. Désolée, j'ai les mains toutes bleues, mais c'est parce que je viens de finir le tuto avant de vous tourner cette vidéo. J'aurais pu d'ailleurs me laver les mains, mais c'est pas grave. Je ne me suis pas transformée en schtroumpf, hein, simplement c'est l'encre du tuto, du dernier tuto. Donc le carnet, donc du coup, il fait 12, entre 12,3 et 12,5 par 15,3. Pour être très exact. Voilà, je voulais tout simplement agrandir. J'ai recouvert donc deux dentelles que j'ai laissées volontairement effilochées. Tout a été évidemment, comment dirais-je, ancré à la Distress Oxide, mais la Walnut Stain pour une fois. Alors moi je suis très Oxide. J'en ai aussi en ink normal, mais j'aime bien la Oxide. Donc voilà, Walnut Stain, pardon. Tous les tamponnages de fond donc, ont été également faits avec la Walnut Stain, y compris cette étiquette. Quoique non, cette étiquette, autant pour moi, elle a été faite avec la Vintage Photo, puisque c'est une étiquette que j'avais faite déjà depuis longtemps. J'ai rajouté évidemment des chutes de papier. On a ici un petit grillage en... comment un petit peu argenté. Ici, j'ai un petit morceau de tulle. Voilà, un petit morceau de dentelle, donc des chutes de papier. Et à l'arrière, donc, c'est la même chose. Toujours donc ancrée à la Walnut Stain. La dentelle que j'ai également légèrement ancrée pour la faire un peu vieillie. Et ici, j'ai une pochette que je vous montre avec une chute. Voilà. Donc, éventuellement, si je veux rajouter quelque chose, je le peux. À l'intérieur, donc, il se compose comme ceci. Donc, ici, j'ai une pochette. Ici, donc, alors, vous voyez la première page que j'ai écrite. J'ai tous mes onglets. Donc, moi, j'ai choisi pour celui-ci de faire 6 onglets. Mais vous allez voir que pour les autres, j'en ai fait que 5. Moi, c'était volontaire, hein, les 6 onglets. Et ici, donc, j'ai encore donc une pochette, hein, si je le souhaite. Donc, voici pour ce petit carnet. À l'intérieur, j'ai également ancré à la Walnut Stain, puisque le papier était blanc et que je voulais pas que ça fasse vraiment trop, trop blanc. Donc, voici pour mon petit carnet. Du coup, j'en ai fait donc un second et je vous en ai fait un troisième donc pour le tuto que vous allez donc suivre après. Donc voici pour le second avec une chute de papier, enfin c'était même pas d'ailleurs une chute, hein, c'est carrément une feuille que j'ai pris d'un bloc de First Edition. Hein, et il est vraiment magnifique ce bloc, donc je trouvais que c'était très joli. Du coup j'ai tout ancré, pardon, mais cette fois avec la Distress Oxide Brick. Non, alors attendez, celle-ci, c'est là. Fired Brick, c'est ça. Donc que j'aime beaucoup aussi. Si je la monte dans ce sens-là, ce sera mieux. Donc tout a été ancré. Également, donc les tampons de fond ont été faits avec cette encre.
Voilà, la petite étiquette. Ici, c'était un petit ruban d'emballage que j'ai conservé et que j'ai utilisé. Ici, on a un morceau de dentelle rose. Alors, plus fine ici et j'ai mis tout le plus gros derrière. Alors, c'est pas rose, pardon, c'est la dentelle blanche, autant pour moi, que j'ai ancrée. Voilà, c'est cette dentelle-ci. Dentelle, bien sûr, qui vient de chez Action. Donc, j'ai ancré toujours avec la Fired Brick. Et donc, à l'arrière, on a ici une pochette. Voilà, pour rajouter ce que l'on veut. Donc ça, c'est pour l'avant. Et puis à l'intérieur, donc même principe. Là encore, j'ai ancré, alors avec de l'aquarelle, un pinceau mouillé et la fire brick pour avoir une teinte de papier assortie. Ici, on a donc encore une pochette. Voilà. Ici, je n'ai fait cette fois que 5 onglets. Je trouvais que c'était un peu mieux, puis ça suffisait. Et à l'arrière, je n'ai pas fait la pochette, j'ai oublié. Bon, bah, il faudra que je fasse une pochette. Parce que vous voyez, du coup, ça, c'est la couverture du cahier original. Et ça, donc, c'est la couverture. Donc, il faudra quand même que je rajoute quelque chose ici. Parce que ça, c'est pas très joli du tout. Et ça ne me plaît pas. Donc, je vais le mettre de côté, je vais le refaire. Et puis, le dernier que, eh bien, vous allez voir tout de suite en tuto. Alors, tuto qui ne sera absolument pas parlé. Vous allez l'avoir en accéléré et en musique. Il n'y a rien de compliqué. Je vous présente tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, eh bien, vous me voyez faire le tuto. Donc ici, à l'inverse, ça a été tamponné avec la Faded Jeans. Toujours une encre de chez Distress Oxide. Je ne sais pas où je l'ai foutue. Elle est là, ici. Voilà. Donc la Faded Jeans, j'aime beaucoup cette encre et elle se marie parfaitement avec ce papier. Papier d'ailleurs qui est un des derniers blocs de chez Action, les papiers bleu marine et marron que j'affectionne beaucoup. Ici j'ai fait deux tamponnages de fond, enfin un tamponnage de fond plus une rose à côté pour rappeler un petit peu le papier. On a une étiquette ici et donc ici la pochette avec le petit livret. Le petit livret c'est tout simple, j'ai rien mis à l'intérieur, c'est simplement le papier recto verso. Voilà, donc ça c'est pour la couverture. On a un tout petit morceau de dentelle pareil qui vient plutôt donc sur l'arrière. Ici, comme tout à l'heure, on a une pochette. Voilà, donc toutes les pochettes ont été ancrées. Là encore, on se retrouve avec le tampon de fond de la première page. Donc ça c'est pour l'avant. L'intérieur, encore une fois, je l'ai passé à la Faded Jeans mais aquarellé. Hop, la pochette ici. Ici, on se retrouve donc avec nos 5 onglets. Voilà. Et donc, pour la dernière page, à nouveau une pochette. Donc, voilà, c'est pas très compliqué. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Je trouve qu'en plus, c'est très sympa. Ça me permet également d'utiliser donc ces petits carnets-là. Alors, là, au départ, quand je les avais achetés, j'avais un autre projet. Et puis, le problème, c'est que j'ai tellement, tellement, tellement de projets que je ne les fais pas. Et finalement, je ne les note pas non plus. Ce qui fait que je finis par les oublier. En tout cas, oublier de faire le projet. Et puis, surtout, oublier ça dans les placards. Donc, voilà, c'était l'occasion ou jamais de faire un petit projet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées et puis des idées surtout pour utiliser votre matériel. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bye!